elles arrivent. J'ai organisé ça pendant au moins une semaine. Ça fait une heure que je les attends. J'ai pas fait ça pour rien quand même. Bon, je vais quand même appeler ma meilleure amie, on sait jamais. Alors, hop. Allô? Allô, ça va? Ça va? Ouais. Pourquoi tu viens pas là? Ça fait une heure que je vous attends. Ah, désolé, Lily Rose. Je peux pas venir? Ouais, désolé. Mais pourquoi? En fait, y a déjà une fête chez quelqu'un d'autre. Y a déjà une fête chez quelqu'un d'autre? Mais c'était prévu depuis hyper longtemps et tu devais venir en plus. Ok, au revoir. Bon, ok. À lundi. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Non, je rêve. Elle avait organisé une pyjama party. J'en ai marre. À chaque fois, on gâche tous mes plans. Y a personne qui va venir. Y a personne qui est venu? Oh, ça doit être horrible. Toutes ses copines, elles l'ont abandonnée. C'est le dernier mois de collège et tous mes amis m'ont abandonnée. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu de faire plein de trucs pour l'été. J'ai tout entendu, Lily Rose. Je suis désolée pour toi. Tes copines, je te l'avais dit. Il y a toujours plein de problèmes, de toute façon. Encore la semaine dernière, il y en a une qui est venue, là. Celle avec, tu vois, des longs cheveux blonds ou je sais pas quoi. Elle a frappé à la porte et ensuite, elle a jeté un œuf sur la fenêtre. Tu devrais changer de copine, ça serait le mieux de tout, je crois. Parce que elles sont pas dignes de confiance. Je sais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais prévu une invitation. J'avais prévu plein de trucs, quoi. Et eux, ils m'abandonnent au dernier moment. Comme tout le temps, d'ailleurs. Je suis dégoûté pour Lily Rose. D'ailleurs, j'espère que ses copines, elles vont pas revenir. Ça, je lui ai pas dit, mais hier aussi, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Elles sont venues à 4 et... Non, j'ai pas envie de raconter cette histoire. Attends, c'est quoi ça? Non, mais c'est une blague. C'est la pire ennemie de Lily Rose qui organise pile le même jour une pyjama party. Toutes les copines de Lily Rose ont dû partir là-bas. Oh non, parce que chez elle, il y a une piscine. Elle a acheté 50 kilos de bonbons. Non mais c'est une blague. Ça, c'est sûr que c'est contre Lily Rose. Il faut que je lui en parle. Lily Rose? Quoi? Tu devineras jamais. Vas-y, relève-toi. Je viens de voir un truc. Attends, ouais, je te le ressors. Regarde. Quoi? C'est chez elle? Non. Mais oui, si. C'est pour ça que tes copines sont pas venues. C'est la peste du collège qui a organisé une super fête. Oh non. Je t'avais dit que c'était pas des vrais amis. Ils auraient jamais fait ça. Tout ça parce qu'elle a installé une piscine chez elle. Le pire, c'est que hier, elle m'a dit « Chez moi, demain, ça va être trop bien. » Mais je lui ai dit « Bah, ok, quoi. » Mais... Attends. En plus, t'as dit aux gens le dimanche 12 à 18h. Elle, elle a commencé à 17h. Oh. Elle a fait exprès de commencer avant nous. Bon, j'ai peut-être une idée. Attends, je reviens. J'espère que Seban va trouver une solution. Il fait pas encore nuit, les gens ils peuvent encore venir. Je sais pas comment je vais faire. Oh là là, je vais m'ennuyer maintenant. Je rêve où ils sont en train de lancer des trucs sur ma fenêtre. Oh non, c'est toute la bande de ma pire ennemie. Mais ils lancent des pop-it en plus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour gâcher la soirée de pyjama là? Attends, la semaine dernière j'ai vu un truc là. Il y a un serpent qui s'était évadé du zoo. Je sais ce que je vais faire. Trop bien. Je vais dire que le serpent s'est évadé et qu'il est dans leur quartier. Comme ça, ils vont avoir peur. Allez, c'est parti. Alors le numéro de la mère de la pire ennemie de Lily Rose. Oui, allô? Vous allez bien, madame? Lily Rose, c'est quoi encore ça, là, ces gens là qui jettent des affaires là, bon, sur la fenêtre? Je vais tout expliquer. Oh non, ça va pas recommencer là. Attends, c'est quoi? Attends, je vais tout expliquer. En fait, j'avais prévu une fête. D'accord. Sauf que, bah, y a personne qui est venu, ils m'ont tous abandonné. Et là, je viens de découvrir que ma pire ennemie a fait une fête, voilà, juste en même temps que la mienne. Et du coup, bah, toute sa bande, elle est venue jeter des pop-it sur notre fenêtre. Bah, pourquoi? Mais pourquoi ils viennent jeter des pop-it là? Bah, moi, je vais aller leur dire, je vais aller les voir. Hein. Bah, vas-y. Et c'est qui là cette copine? Comment elle s'appelle? Je sais même pas. Tu sais pas? Non. Bah si, tu dois savoir elle quand même. C'est ma copine, donc je sais pas. Hein. Moi bah, je parle pas aux gens que j'aime pas, moi. Bon écoute, je vais aller les voir, je vais leur dire de s'en aller. Hein? Allez. C'est pas vrai ça. Mais ça recommence en plus. Lily Rose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de préparer un plan de fou pour que les gens viennent quand même à ta fête. Et là, j'étais dans ma chambre tranquille. Ils ont jeté plein de trucs. Mais moi aussi, c'est des pop-it les trucs. Toi aussi? Oui. Attends, viens,
Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est ta pire ennemie. Mais oui, c'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, elle veut juste nous embêter. Au lieu de profiter de sa soirée pyjama, là, tranquille. Bah ouais. Elle se sent obligée de gâcher notre soirée aussi. Bah ouais. Bon. C'est comme ça, hein. Attends, je vais te parler de la chose que j'ai prévue. En secret. Je connais l'adresse de ta pire ennemie là. Ouais, moi tu aussi, vois moi, je la connais. Et tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai appelé ses parents. Non. Et je leur ai fait croire qu'il y a un serpent qui s'était évadé dans le quartier. Et du coup, j'ai dit, ouais, il y a un serpent qui s'est évadé dans le quartier. Fermez chez vous, restez bloqués chez vous et tout. Ouais. Mais du coup, pourquoi elles sont sorties quand même? Bah, je pense que c'est un peu cramé, quoi. Et ils y ont pas cru? Bah, je pense pas, hein. Bon, désolé, hein. Moi, je fais les plans que je peux. Ah, mais tes plans... Bon, bah, si tu les vois, essaie de les filmer. Comme ça, on aura une preuve. Moi, je vais essayer de trouver un autre plan en attendant. Ok. Non, en fait, ça va aller, pas de plan, parce que... Comment ça, pas de plan? Bah, ton idée de serpent, c'est... Il faut bien se venger un peu, quand même. Bah, ouais. Bon, je les ai retrouvés, là. Bon, je les ai suivis jusqu'au bout de la rue, je les ai renvoyés chez elles. Ok. J'ai pu récupérer quelques pop-it, là. Pourquoi tu les as récupérés? Bah, parce que, bon, c'est toujours ça, mais bon, elles les ont renvoyés chez elles. Elles t'ont dit quoi? Bah, elles m'ont dit des mots pas très agréables à entendre, mais... Ah, ouais? Elles étaient pas... Ouais, oh, Lily Rose, c'est ta copine, d'ailleurs. Bah, non, c'est pas du tout mes amis, c'est mes pires ennemis, d'ailleurs. C'est elle qui a fait la fête, là. Il faudra que tu règles ça quand même au collège, hein, et que tu leur dises c'est la dernière fois que ça se passe. Je parle pas à des gens comme ça, moi. En plus, elles sont même pas dans ma classe. C'est bon, le problème est réglé, je vais inviter d'autres personnes, et voilà. Enfin, d'autres personnes, je sais pas qui. Écoute, mais oui, allez, écoute. Lily Rose, je peux rien faire, j'ai pas d'autres idées de plan. Bah attends, tu sais pas grave, c'est bon, Peppa Pig qui vient. Au pire, on fait une fête, on fait une pyjama party à deux, et voilà, c'est tout. Bah t'as acheté des choses quand même pour la pyjama party. Non. T'avais rien prévu? Bah non. Non mais heureusement qu'ils sont pas venus, comment on aurait fait? Bon, c'est pas grave, j'ai une cachette secrète en bas. Oh, où là je mets là toujours là. Des bonbons et plein de boissons et plein de trucs. Ouais, les bonbons, allez. Au pire, on va la fêter à deux. Non, je suis déprimée, j'ai pas envie. Allez. Oh là. Lily Rose. Quoi? Il y a des dragibus. Ah, ça j'aime bien. Allez. Wouh. Allez, c'est parti. Allez. Ça va? Allez. C'est ton anniversaire, à donf avec les frères. Ouais, c'est ton birthday, tous ensemble pour le frater. C'est ton anniversaire, à donf avec les frères. Ouais, c'est ton birthday, tous ensemble pour le frater. Allons sur la fiesta, tous unis on est raccord. Bien sapé, ça met d'accord. Gros anniversaire, c'est ta soirée. T'inquiète gros, on va gérer. Sans souci, ça va péter.